Comment sortir de la peur du manque? Comment se libérer des croyances limitantes au niveau de l'argent? Dans cette vidéo, je t'explique exactement comment évoluer vis-à-vis de ça, parce que c'est sans doute bien ce qui t'empêche encore d'obtenir, si tu es coach ou thérapeute, les résultats que tu escomptes avoir au niveau de ton activité. Je m'appelle Olivier Métral, je suis coach entrepreneur et j'ai aidé ces dernières années plus de 1100 coachs et thérapeutes à mettre en place une entreprise prospère. J'ai moi-même mis en place des entreprises qui ont généré plus de 7 millions d'euros sur Internet. Mais ce n'a pas toujours été le cas. J'ai connecté à l'abondance maintenant, mais j'étais à l'époque quelqu'un qui avait beaucoup de mal avec les croyances que je vais te décrire dans cette vidéo. Tu vas comprendre pourquoi. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te donne des clés justement pour évoluer vis-à-vis de ça. Moi, quand j'ai commencé mon activité, ce qui se passait, c'est que je voulais faire en sorte d'avoir le moins de risques possible. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis en place ce que l'on appelle une auto-entreprise. Donc, à l'époque, maintenant, on appelle ça une micro-entreprise. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que tout simplement, je voulais prendre à l'époque le moins de risques possible. En me disant, en mettant en place une micro-entreprise, si jamais ça ne marche pas, je pourrais toujours revenir dans le monde du salariat. Je pourrais toujours rechercher un travail pour vivre tout simplement. Le problème, c'est que, et ça je ne le savais pas, c'est que j'envoyais une énergie particulière dans l'univers en faisant ce genre de choses. On en parlera plus en détail tout à l'heure. Donc, micro-entreprise, ce que je me disais, c'est que également, micro-entreprise, on paye le moins d'impôts possible. Micro-entreprise, on n'a pas besoin de faire de frais comme les experts comptables, on a très très peu de frais. Les seuls frais qu'on a, c'est les outils. Les outils qu'on a, mais malheureusement, on ne peut pas récupérer ces frais parce que c'est le régime de la micro-entreprise. Par conséquent, parce que je ne pouvais pas récupérer les outils sur mes charges, les mettre en charge de mon entreprise, ce qui se passait, c'est que j'allais à la recherche des outils les moins chers possibles, et si possible, des outils gratuits. Et ce qui se passait, c'est que ces outils, je mettais des heures et des heures et des heures à essayer de les trouver sur Internet. Je mettais des heures et des heures et des heures à essayer de mettre en place une stratégie. Ce qui se passait, c'est que j'écoutais Pierre, c'est que j'écoutais Paul, c'est que j'écoutais Jacques, qui disait tout et son contraire pour essayer de commencer à trouver des clients sur Internet. Ce qui se passait et ce que j'ignorais aussi, c'est que Pierre, Paul et Jacques, c'était des mecs qui étaient fauchés. Pardonne-moi l'expression, j'en vois pas d'autres. Et qui, par conséquent, donnaient les conseils qui me laissaient dans le manque, et qui me laissaient dans cet état de « je génère rien du tout ». Mais ça, je le savais pas à l'époque. Et tu vas comprendre pourquoi. Donc, les conseils de Pierre, Paul, Jacques, c'était quoi? C'était aller sur Internet et chercher des outils les plus cheap possible, les outils les moins chers possible. Et évidemment, ils avaient toujours des super bons plans, ils avaient toujours... ils te disaient d'aller chercher des bons pour économiser de l'argent. Ils avaient tous les meilleurs sites pour aller chercher des bons de réduction, pour économiser 1% de 30 euros. Et moi, je passais des heures et des heures et des heures à suivre ces conseils, et je passais des heures et des heures et des heures à essayer de trouver des choses me permettant de ne pas dépenser d'argent. Mais le problème, c'est que le fait de me focaliser sur ça, me faisait perdre un temps fou, en fait. C'est-à-dire que j'avais trouvé un jour, je voulais mettre en place un tunnel de vente. J'avais trouvé un jour une solution gratuite pour mettre en place un tunnel de vente. Est-ce que ça a marché? Non. J'ai mis déjà des heures et des heures et des heures à implémenter le truc pour qu'au final, je comprenne que ça marchait pas, c'était tout buggé, il y avait des bugs dans tous les sens. Je passais mon temps à corriger les choses. C'était une horreur. Pareil pour tous les outils, en fait. Tous les outils que j'avais, j'essayais de trouver des solutions. J'essayais de craquer des trucs. Je passais des heures en craquant des trucs. J'avais des bugs, j'avais un jour, j'ai planté mon PC, parce que j'avais un PC à l'époque, je l'ai planté littéralement à cause d'un programme complètement, que j'ai voulu trouver gratos, et un programme qui était créé par un pirate qui essayait de prendre le contrôle de mon ordinateur. J'ai fait que des erreurs comme ça. Pareil, quand j'ai voulu continuer mon activité, j'ai fait plein d'erreurs qui ont failli me coûtait très cher. Comme par exemple, quand j'ai commencé enfin à mettre en place des choses, j'ai commencé enfin à comprendre qu'il fallait investir, j'ai commencé enfin à prendre une solution, par exemple, solution de tunnel de vente, avec un abonnement. Mais là, j'étais flippé, je me disais, j'avais les bras, les mains comme ça qui tremblaient. Le jour où j'ai mis ma carte de crédit, mon numéro de carte de crédit dans le système d'abonnement. Et enfin, j'ai commencé à obtenir des résultats. J'ai commencé à avoir des clients,
petit à petit. Mais je gardais encore cette stupide énergie de manque dans le fait de recruter des personnes. Je commençais à avoir des clients et je me suis dit, ok, bah à ce moment-là de ma vie, j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah évidemment, j'ai recruté la personne la moins chère du monde. Et la personne la moins chère du monde, bah c'était une personne qui faisait partiellement son travail, qui comprenait pas forcément les choses que je lui expliquais, qui faisait plein d'erreurs. Je devais passer un temps fou derrière pour rattraper les choses, rattraper les erreurs, etc., etc. Et je passais plus de temps à rattraper les erreurs. Des erreurs qui, ben, potentiellement, mettaient à mal mon entreprise et la réputation de mon entreprise. Ça a été un cauchemar, en fait. Et encore une fois, c'était axé sur le fait que ben, je voulais investir le moins cher possible sur, ben, sur ce type de solution. Arrivé un jour où, enfin, ben, je commence à avoir un chiffre d'affaires avec ma micro-entreprise, ben, ce chiffre d'affaires dépassait le plafond de la micro-entreprise. Donc, à l'époque, il me semblait que c'était une trentaine de milliers d'euros, une quarantaine de milliers d'euros, je me souviens plus exactement. En tout cas, j'avais dépassé le seuil légal qui me permettait de rester en micro-entreprise sans avoir à payer plus d'impôts, etc., etc. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais flippé. J'étais flippé parce que je me disais, oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer si je paye plus d'impôts, mais ça va pas le faire, ça va être n'importe quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là de ma vie entrepreneuriale, ben, j'ai arrêté de vendre, en fait. J'étais tellement flippé que j'ai arrêté de vendre. Jusqu'à ce que l'un de mes amis me mette en relation avec un fiscaliste. Et ce fiscaliste, j'ai beaucoup de gratitude pour lui. Merci, merci, merci à lui, parce que il m'a rassuré par rapport à ça. Il m'a expliqué ce que je devais faire. Il m'a dit, bah, en fait, sors de ton statut micro-entreprise et crée une vraie entreprise, en fait. Tu vas devoir prendre un comptable, certes, ça va te coûter de l'argent, mais maintenant, tu commences à avoir des résultats avec ton entreprise. Passe à la vitesse supérieure. Et je le remercierai jamais assez parce que, effectivement, le fait d'avoir passé à la vitesse supérieure, bien, ça m'a permis d'arrêter de me focaliser sur le manque, là, sur ce stupide manque, pour enfin, me focaliser sur la production. Et la production, c'est quoi? Bah, c'est avoir une offre transformationnelle qui cartonne, qui se vende, et puis surtout, trouver des clients. Donc, mettre le focus sur le fait de trouver des clients plutôt que économiser, faire des économies de bout de ficelle. Et ça, ça a été salvateur pour moi parce que, évidemment, j'avais maintenant un comptable à payer. Maintenant, j'avais plus de frais. Maintenant, j'avais plus d'impôts à payer. Mais le fait que j'ai plus de frais m'a permis de me dire, ok, bah, maintenant, tous ces frais, je vais devoir les payer. Et pour devoir les payer, je vais devoir trouver des clients. Et ça m'a permis de changer mon focus, de passer de ce stupide focus sur le manque là, c'était vraiment un stupide focus, et encore je reste poli, pour changer ce focus et aller vers du focus d'abondance, c'est-à-dire un focus de trouver des clients. À partir de ce jour, j'ai complètement changé d'état d'esprit. Pourquoi ? Parce que j'ai changé mon vocabulaire en me disant « ceci n'est plus une dépense ». Un expert comptable n'est plus une dépense. Pourquoi? Parce qu'un expert comptable, c'est la personne qui va me permettre eh bien, d'avoir des comptes carrés. Et avoir des comptes carrés, ça me simplifie les choses et ça me permet de, moi, me concentrer non plus sur créer des comptes, mais sur trouver des clients. Et pour une entreprise, l'essentiel, c'est trouver des clients. Une entreprise ne peut vivre sans trouver des clients, en fait. Sans clients, tu ne peux pas vivre, c'est juste impossible. Et je vois tellement de coachs, de thérapeutes qui ne comprennent pas cela, en fait, qui mettent le focus, comme moi à l'époque, sur ce stupide manque-là, sur ce putain de manque. Désolé du terme, mais je pense que c'est important de l'utiliser pour qualifier ce manque. Parce que c'est ça, ce manque-là, qui, eh bien, prend toute la place dans la vie de certains. Comme moi, elle prenait toute la place, enfin, il prenait toute la place, ce manque, dans ma vie. C'est-à-dire que, et ça, c'est là que ça devient super intéressant, et je l'ai compris par la suite. Ce qui se passe, c'est que l'énergie va là où tu mets le focus. Et ça, c'est une phrase de Tony Robbins qui a changé ma vie. Pourquoi ? Parce que j'ai compris que moi, ce qui se passait, c'est que je mettais le focus sur le stupide manque à l'époque. Et mettre le focus sur le manque, eh bien, je voyais du manque partout, en fait. Et j'attirais le manque. J'attirais les personnes qui n'avaient pas d'argent. J'attirais les personnes fauchées dans ma vie. J'étais à la recherche de solutions cheap. Le manque attire le manque. Quand on se focalise sur les solutions les plus cheap, on attire le manque. Et l'énergie va là où on met le focus. C'est-à-dire que si tu mets l'énergie sur le manque, eh bien, tu crées du manque et tu globalises le manque au niveau de ta vie. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, putain, mais c'est si évident, en fait. Pourquoi je ne l'ai pas compris avant, en fait? Maintenant, évidemment, ce que je fais, c'est que je focalise mon énergie eh bien, sur l'abondance. Pourquoi? Parce que moi, je veux que ce soit l'abondance dans ma vie. Abondance d'amour, abondance de gratitude, abondance d'argent, abondance d'énergie positive, abondance d'amis, abondance de relations magnifiques et pérennes. Et c'est ce que j'obtiens, en fait. Et je vois encore tellement de personnes qui
qui focalisent sur le manque, qui vont encore chercher des solutions en bout de ficelle. Depuis que je focalise sur cette énergie d'abondance, eh bien j'ai transformé mon vocabulaire. Le mot dépense n'existe plus dans mon vocabulaire. L'autre jour, avec mes clients, j'ai mis plus de 2 minutes à essayer de trouver le mot dépense. C'est une cliente qui m'a aidé à le trouver, ce mot, parce qu'il était complètement enfoui, je ne sais où, il n'était plus en tout cas dans mon vocabulaire. J'ai remplacé le mot dépense par le mot investissement. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Parce que si tu transformes ce mot dépense par le mot investissement, eh bien, tout ce que tu vas acheter va se transformer en investissement. Et c'est ce qui se passe pour moi, en fait. Donc, tout ce que j'achète, tous les outils que j'achète, tous les outils dans lesquels j'investis, eh bien, me rapportent de l'argent. Quand j'achète un pull, eh bien, pour moi, ce n'est pas une dépense. Pour moi, c'est un investissement. Pourquoi ? Parce qu'avoir un pull neuf, c'est quelque chose qui me permet de me sentir bien. Et me sentir bien, pour moi, c'est un investissement sur mon bien-être. Me sentir bien, c'est un investissement également sur mon business, parce que si je me sens bien dans mon business, j'apporte des résultats top à mes clients, et si mes clients ont des résultats top, eh bien, mon business se développe. Aussi simple que cela. En fait, tout est un investissement. Et changer son état d'esprit par rapport à ça, c'est la base qui va te conduire à l'abondance. Et je vois tellement, tellement, tellement de personnes qui sont encore axées sur cet état d'esprit de manque, qui vont voir des coachs dans le manque, qui n'ont pas de résultats et qui sont fauchés, désolé du terme, je n'en vois pas d'autres, pour évidemment ne pas avoir de résultats, et qui vont consulter les mecs les plus rageux, comme moi, j'étais rageux à l'époque. Pourquoi j'étais rageux quand j'étais dans le manque ? Parce que j'étais dans le manque. Et ce qui se passait, c'est que quand je voyais des personnes qui réussissaient, qu'est-ce que je faisais ? Eh bien, je les critiquais. Je leur disais « Ouais, mais t'as vu, ça marche pas, parce que patati patata », je trouvais des excuses pour justifier que moi, j'étais fauché à l'époque, et je trouvais des boucs émissaires pour me plaindre, et ces boucs émissaires me permettaient de me plaindre. Et en me plaignant, est-ce que je mettais en place les choses ? Est-ce que j'avais des résultats ? Est-ce que j'étais dans l'abondance ? Non. Quand on se plaint, on se connecte à quoi ? On se connecte au manque. Et c'est ça dont il faut être vraiment vigilant. Et le meilleur conseil que je puisse te donner maintenant, c'est d'être ultra vigilant ou vigilante par rapport à ton environnement, par rapport aux personnes que tu fréquentes, par rapport aux informations que tu écoutes, par rapport aux chaînes YouTube que tu écoutes également. Pourquoi ? Parce que toutes ces informations de manque, l'actualité par exemple, qui parle de crise, qui parle de manque, qui parle d'inflation, qui parle de crise monétaire, qui parle de guerre, toutes ces informations-là, elles arrivent directes dans ton subconscient. Et qu'est-ce qu'elles te permettent, ces informations ? Elles te permettent d'avoir un état d'esprit de manque. Et l'état d'esprit de manque, c'est ce qui te permet d'aller acheter des conneries au supermarché. Et c'est ce qui te permet d'aller acheter des chips, c'est ce qui te permet d'aller acheter de l'alcool pour oublier le fait que tu sois dans le manque. Pour cela que les médias ont un intérêt de laisser le peuple dans la peur. Pourquoi ? Parce que la peur, ça permet à des personnes qui sont dans le manque de continuer à consommer. De consommer des produits de base, de consommer des chips, de consommer des merdes qui nous font nous sentir encore plus mal et d'entretenir des cercles vicieux, qui nous gardent dans le manque et qui nous empêchent absolument de nous élever. Pourquoi ? Parce que tu l'as bien compris, la personne qui veut s'élever et obtenir des résultats, c'est la personne qui va focaliser sur l'abondance. Et c'est uniquement le fait de focaliser sur l'abondance qui va te permettre de décoller. Et c'est en ça que ton environnement et toutes les informations que tu entends de la part de cet environnement, c'est des choses qui soit te tirent vers le haut, vers l'abondance, ou bien vers le bas. Tu es responsable du fait de laisser entrer ces informations dans ta tête ou pas. Pourquoi ? Parce que la formule de la manifestation, c'est les pensées mènent aux sentiments, les sentiments mènent aux actions, et les actions mènent aux résultats. En d'autres termes, ton monde intérieur crée ton monde extérieur. Et si ton monde intérieur est pourri par des informations de manque, ce que tu vas manifester dans ta vie, c'est tout simplement le manque. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mets un grand, grand like sur cette vidéo. Ça m'encouragera à te faire plus de vidéos comme ça, mindset, sur les peurs, sur le fait de pouvoir atteindre ces résultats. Et puis, si tu ne veux rien manquer de tout ce que je produis, abonne-toi à cette chaîne, parce que ça va te permettre de ne rien manquer des vidéos que je produis. La cloche, elle se trouve juste en bas à droite de cette vidéo. Tu cliques dessus et tu cliques sur « Recevoir les notifications » pour ne rien manquer. C'est gratuit et ça t'apportera beaucoup de choses positives et notamment des informations d'abondance. Et puis, dernier point, j'ai créé pour toi une formation. Elle se trouve juste en dessous. C'est dans la description de cette vidéo. Tu t'inscris à cette formation et je t'explique exactement comment toi aussi tu vas pouvoir connecter
à l'abondance dans les prochaines semaines. Je te souhaite une magnifique journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.